Un espoir, c'est mon putain de premier derby. C'est mon putain de premier derby, les gars. Je vous jure, ça fait 3 ans que j'attends ça. 3 ans que j'attends ça. Quand je suis là, dans le champ avec vous, les gars, je suis fier de partager mon premier derby avec vous. Je suis fier de vous faire. J'espère que mon 80 minutes, je le serai encore. Et j'espère que mon 80 minutes, je le serai encore. Excellence, si on veut battre cette équipe-là, ça sera excellent ce samedi, mais c'est excellence à partir de maintenant. Ce soir, demain, excellence demain, mercredi dans la récup pour certains, dans le travail de mêlée pour d'autres, jeudi, vendredi, samedi. Ça ne peut pas passer autrement. Ce match-là, on ne peut pas le gagner si on ne fait pas une grosse semaine et si on ne pensait pas qu'à ça, de toute façon. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quit, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. What's a friend of you? Do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect. Let them watch me elevate and got them noxious. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the house. On va jouer dans le sens de jeu. On est assez fort sur les retours, le joueur en train, etc. Ok, les gars, c'est important. C'est bon pour tout le monde. Excellence. Chercher à faire plus. Voilà. Pour moi, un derby, c'est un match. Ça reste un match très particulier, il y a autant de motivation qu'un match de phase finale, je pense. Ça doit être une semaine assez particulière avec un peu plus de travail, un peu plus d'analyse sur l'équipe. Après, c'est une semaine particulière, ouais, bien sûr. Le mercredi, c'est souvent jour de repos, donc jour d'école ou de stage. Et après, moi par exemple, j'ai un chien, donc le mercredi, souvent, je vais balader le chien, je bouge. Il y en a d'autres qui préfèrent aller se balader, ça dépend des mecs et de leurs besoins, quoi. Alors, en dehors du rugby, là, je prends des cours d'anglais. C'est important de suivre un double projet. On a Marie-France au club qui nous aide beaucoup, est toujours là pour nous guider, nous aiguiller dans la bonne direction. Le double projet est essentiel dans notre formation, que ce soit la partie rugby ou la partie école. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes comme ça autour de nous. Les semaines restent les mêmes, mais après on sent beaucoup d'envie de la part de l'équipe. Et individuellement, beaucoup plus d'investissement, que ce soit en musculation, sur le terrain et en dehors. On analyse beaucoup l'adversaire et on a vraiment envie de jouer, comme je disais. Et vraiment, c'est très intéressant. Donc, c'est un match à part et une semaine à part aussi. Ferme! 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 Ferme
C'est à la liaison, quoi. À lier, déjà, c'est la guerre. Et même avant, quoi. À flexion, déjà, je suis prêt, quoi. À lier, je me lie avant lui. Et à jeu, putain, il faut réagir, quoi. Il faut réagir. Ce qu'on fait pas, c'est qu'on réagit pas, quoi. On attend. Pousse, 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 pousse. Donc un derby, pour moi, ça représente un gros match de rugby d'abord, dans l'esprit déjà. Après, dans la semaine de préparation aussi, c'est complètement différent. La différence, elle se fait tactiquement, sur la vitesse aussi, sur les impacts. Pas du tout pareil. Et franchement, c'est pas un derby comme les autres.